Bonjour, je m'appelle Sébastien Milsud, je suis responsable de section à la CADNL en BTS comptabilité et gestion et je suis aussi enseignant en gestion finance et anciennement élève à la CADNL. À la base, tous les bacs peuvent intégrer le BTS comptabilité et gestion. Il faut obligatoirement avoir le bac pour intégrer le BTS. On pourrait dire que le bac STMG gestion finance est peut-être celui qui est le plus intéressant, mais en fait on s'aperçoit que les bacs généraux, les anciens bacs S, ES, L réussissent très bien, les bacs STMG, les bacs ST2S, les bacs pro, même quelquefois il y a des bacs pro ASSP, aucun rapport avec la comptabilité, qui ont intégré le BTS Compta et qui ont fini majeur de promotion. Donc peu importe l'origine du bac, à partir du moment où on a la motivation, le goût de l'effort, le travail, on peut très bien réussir en BTS comptabilité. Venir à la CADNL, pour un étudiant, quels sont les, entre guillemets, les avantages? Ben, premièrement, un enseignement, n'ayant pas peur des mots, de qualité. On a des professionnels qui connaissent très bien le référentiel, qui savent, connaissent les attentes de l'examen. Et on est là à vous mener plus loin. On ne vise pas que le BTS, on vise aussi la poursuite d'études. Donc beaucoup de nos étudiants de BTS qui viennent aussi de bac pro, de bac généraux, poursuivent en DCG et réussissent très bien, poursuivent en bachelor, intègrent des licences, après des masters. Un autre avantage qui n'est pas à négliger, c'est la situation géographique, assez éloignée du centre-ville, beaucoup de places de parking, on peut se garer dans l'établissement, donc ça c'est quand même un avantage non négligeable. Ensuite, on est dans un cadre qui est assez sympathique. On a 3 hectares de pinèdes. On n'est pas dans des bâtiments avec de longs couloirs. Donc, c'est un espace qui est assez aéré et je vous invite à venir le voir. À tous mes futurs étudiants, le conseil que je leur donne, c'est soyez motivés et prenez du plaisir dans ce que vous faites.